Il va nous falloir 100 g de chocolat noir fondu, 50 g de pâte à tartiner, 50 g de mascarpone, 50 g de crème liquide entière, 2 spéculoos, 2 petits ballons, 2 chocolats noirs, donc mon chéri, 2 fraises, une crêpe et des perles argentées. Ici, j'ai 2 assiettes. Par-dessus, j'ai déposé du papier cuisson. Ensuite, je récupère donc un ballon et on va légèrement le huiler. Alors, j'ai préparé dans une coupelle un petit peu d'huile de tournesol. Donc l'idée, c'est vraiment de le huiler donc légèrement, de façon à ce que tout à l'heure, il ne colle pas au chocolat. Une fois que c'est huilé, on récupère donc le chocolat fondu. Alors le chocolat fondu que vous allez prendre soin de mettre au micro-ondes et toutes les 10 secondes donc de mélanger. Hein. Il faut que ça chauffe environ 30 à 40 secondes. Tout dépend des micro-ondes que vous avez. Ensuite, on va tremper donc le ballon dans le chocolat. Donc on va l'enfoncer. Là, l'idée, c'est de récupérer une coupelle en chocolat. Donc là, je tourne. Ensuite, alors j'essaie d'avoir déjà une belle forme. Là, je retire délicatement le ballon et je viens le déposer donc sur l'assiette. Alors l'idée, c'est quand même de le garder bien droit. On va faire la même chose avec le second. Pareil, je récupère un peu d'huile. Donc je tartine donc le ballon et ensuite je viens le tremper dans le chocolat fondu. Et là pareil, donc là je vais tourner le ballon de manière à avoir donc une jolie forme de chocolat. On va le retirer donc délicatement et pareil, on va venir le déposer donc sur le papier cuisson. On laisse ça donc à température ambiante pendant environ 10 à 15 minutes et ensuite on le mettra au réfrigérateur pendant environ 10 à 15 minutes. Il faut vraiment que ça prenne. Dans le saladier, je mets donc le mascarpone. Ensuite, la crème liquide entière. Je mets le restant de chocolat donc qui m'a servi à faire les coupelles. Alors quand vous faites ce genre de crème, il faut absolument que le chocolat ne soit pas chaud. Hein. Alors on essaie de tout mettre. Ensuite, on va y mettre la pâte à tartiner. On va battre tout ça et dès que ça épaissit, on arrête. En 10 secondes, ça a déjà épaissi. Alors maintenant, avec la Maryse, je vais récupérer donc tout ce qui n'a pas été mélangé. On va bien sur les bords. On récupère donc ce qui reste sur la Maryse. Et on refouette environ 5 secondes. Alors si vous sentez que votre crème est trop dure, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu de façon à avoir une belle texture. Je mélange une dernière fois et ensuite je débarrasse donc ma crème chocolat dans une poche. On va s'attaquer donc à la crêpe. Ici j'ai donc un emporte-pièce en forme de cœur. Et là l'idée, ça va être d'appuyer dessus pour récupérer donc un cœur de crêpe. On va essayer également la taille au-dessus. Là, il suffit juste d'appuyer et de le récupérer. Alors je vais en faire 2 petits, 2 grands. Alors peut-être qu'on n'utilisera pas les deux cœurs, mais c'est vraiment pour voir quelle taille. En fait, de cœur ira le mieux sur mes coupelles. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Ensuite, je vais essayer de réaliser donc 2 flèches. Alors, pour ce faire, je récupère déjà une partie de la crêpe. Je coupe une longue bande. Là, je vais retirer donc les extrémités. Je vais la couper en 2. Celle-là me paraît plus fine, donc je vais réduire un petit peu sur celle-là
pour essayer d'avoir en fait deux tailles identiques. Ensuite, ici, je vais donc m'arranger pour réaliser donc une pointe. On va essayer de lui donner donc une forme de flèche. Alors pour cette opération, prenez votre temps, hein. Allez, je vais mettre tout ça au micro-ondes, environ 1 minute 30 ou 2 minutes. Faudra surveiller, on veut se retrouver avec des chips de crêpes. Alors, on sent que ça arrive à l'état de chips une fois que ça commence légèrement à colorer. Donc, on les débarrasse donc sur le plan de travail et on les laisse refroidir. La coupelle donc est bien froide, je la montre de près. Alors maintenant, on va crever donc le ballon. Et on retire donc délicatement le latex du ballon. Donc sans casser la coque. On va également faire la même chose pour la seconde. Et là, on retire gentiment le ballon. On passe tout de suite au montage. Alors sur la coupelle, je viens y déposer des morceaux de spéculoos. Ensuite, j'ai coupé des petits morceaux de fraises. Alors le spéculoos va retenir donc l'humidité des fraises. Alors si vous n'avez pas de spéculoos, vous pouvez mettre du sablé, vous pouvez mettre les biscuits que vous aimez. Ensuite, ici avec la poche, on va venir faire une petite rosace. Alors on en met bien d'abord au fond pour qu'elle ait bien partout. Et ensuite, on tourne gentiment pour réaliser donc une rosace. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici y planter donc un cœur avec une flèche. Alors vous la mettez comme ceci. Voilà, mettre plutôt comme ça. Et ensuite, on va venir décorer donc avec nos perles argentées. Allez, on en refait une. Je récupère une assiette. Ici, je viens démouler donc la coupelle en chocolat. On dépose donc des morceaux de spéculoos à l'intérieur. On récupère donc la fraise. Et pareil, on met des petits morceaux avec les spéculoos. En fait, c'est un petit peu la surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dans la coupelle. Donc, de la fraise, c'est hyper gourmand. On récupère la poche donc à crème chocolat. Alors, comme tout à l'heure, on va mettre bien au fond. Et là, on va faire une belle rosace. On y plante donc un cœur en chips de crêpes. On met la flèche qui va avec. Et on vient décorer donc avec les petites perles. Alors je vous montre ça de près, c'est magnifique. J'ai mis tout ça sur une assiette rectangulaire. Donc j'ai rajouté les deux petits cœurs de tout à l'heure et les petits chocolats mon chéri. Alors maintenant, je vais venir décorer donc avec un petit morceau de fraise. On va le mettre juste devant là. Alors je vais passer à la dégustation, donc je vais commencer par le petit cœur. Je vais vous montrer combien il est très croustillant. Écoutez bien. Et juste avant de goûter donc la coupelle, j'ai vraiment envie de vous la montrer de près. Elle est magnifique. Alors je prends donc la cuillère et malheureusement je vais saccager tout ça. Alors je vous montre ça de près. Miam miam! Alors c'est vraiment super bon. Si jamais vous réalisez cette recette, vous allez vraiment faire des heureux. C'est vraiment délicieux.